Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Heureusement, le facteur passe encore et nous met nos colis encore dans la boîte aux lettres. Donc profitez-en, si vous avez l'occasion de commander en ligne, vous pouvez avoir encore vos colis. Donc là, je vais vous montrer un nouveau papier que j'ai reçu ce matin. C'est le papier My Sweet Provence qui est superbe. Alors j'adore ces couleurs et je sens que je vais m'amuser avec, hein, parce que là vous avez vraiment de jolies fleurs, de jolies couleurs, et c'est vraiment la Provence, hein. Alors là vous avez de jolies étiquettes, des tags, il y a de quoi faire. Donc moi, avec ce papier, je vais faire un petit album de 15-15. Parce que j'ai pris qu'un lot. Et du coup, je vais faire le petit album qu'on emmène partout, qui est très sympa aussi à faire. Et celle-ci, avec de la dentelle, elle est magnifique. Toujours dans des tons très agréables. Rose, violet. Très sympathique, de jolies fleurs, avec le vélo qui est sympa comme tout. Vous avez même pour faire des petites pochettes dans votre album, ou alors pouvoir faire de jolies cartes, hein. Les découpes sont assez sympas à faire. Franchement, il est très beau. On finit par de la dentelle. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Scrap New Age. Je vous mettrai tout ce qu'il faut, le lien pour aller dessus, et vous verrez, il y a de très jolies choses. Alors bien souvent, on me demande au niveau de mes découpes en bois, carton bois, où je les achète. Et ben, c'est justement dans cette boutique en ligne qui est super sympa. Alors là, vous avez le petit pot qui va avec le papier. Ici, vous avez le petit papillon avec une deuxième découpe juste à côté, qui est sympa aussi. Vous avez également des épis de blé. Vous avez deux découpes dessus. Vous avez de jolies fleurs. Pareil, c'est assez sympa pour faire des cartes. Très jolies. Deux plumes. Une autre découpe qui est superbe. Là, vous en avez une deuxième, juste là, qui est sympa comme tout. Et alors, je me garde celle-ci pour la couverture, parce que je la trouve super jolie. Donc, voilà. Vous en avez d'autres également, qui sont assez différentes, mais qui sont très sympas aussi. Avec des papillons de différentes sortes. Voilà, de jolies fleurs. Alors, dessus, vous avez tous les thèmes. Hein. Vous avez les thèmes Noël, Halloween. Enfin, vous pouvez aller, vous avez toutes les saisons. Et du coup, au niveau des découpes en bois comme ça, c'est super sympa sur les albums. J'ai également deux jolis papillons pour mon album. Alors, toujours dans les mêmes teintes, qui sont assez sympas. Et de quatre jolis badges que je vais utiliser aussi pour l'album. Donc on revoit le papier avec la jolie dentelle, une horloge, un papillon et des fleurs. Alors là, je suis sur plusieurs albums. Hein. Je suis sur le tuto d'Harry Potter. Vous inquiétez pas, je continue. Je suis également sur un autre tuto d'un autre album, ainsi que celui-ci. Alors, je fais plusieurs à la fois, comme ça, il y a pour tous les goûts, et puis pour occuper un peu tout le monde par ces temps-ci. Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!